Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce mardi 23 mai. Et euh, très heureux de vous euh, retrouver ce soir. Et euh, nous avons une grosse émission. On vous avait promis euh, la semaine dernière de vous faire une émission sur euh, euh, l'œuvre de Frédéric Bastien. Eh bien, nous y sommes. Et euh, je pense que vous allez être contents parce que. Luc Parquin va se joindre à nous dans une dizaine de minutes, une dizaine de minutes. Mais tout de suite, nous allons rejoindre Jean-Claude Pommerlot qui lui a suivi de près l'œuvre de Frédéric Bastien. Et je pense que mardi euh, dernier, donc une semaine aujourd'hui, on apprenait avec stupéfaction, avec... Euh, euh, C'était un coup un coup dur pour le mouvement souverainiste au Québec. Et on apprenait le décès de Frédéric. Frédéric Bastien qui euh, est décédé subitement à l'âge de 53 ans. Et je peux vous dire une chose, ce n'était euh, pas une figure la plus connue du mouvement souverainiste, mais je pense que c'était la figure la plus importante du mouvement souverainiste. Et Jean-Claude Pomerleau va nous expliquer pourquoi euh, parce que Frédéric Bastien euh, laisse derrière lui une œuvre euh, titanesque et euh, donc Jean-Claude va nous expliquer ça. Tout d'abord, Jean-Claude, je voudrais te souhaiter euh, te remercier d'être avec nous et te, euh, te saluer. J'espère que ça va bien, euh, mon cher Jean-Claude. Oui, ça va très tard, Ça va très bien. Tu es un peu fatigué, mais ça va très bien. Ben oui, mais Jean-Claude, je te l'ai dit. Je te l'ai dit d'arrêter de jouer au tennis pendant une heure et demie, deux heures de temps, le jour. Le... Mesdames et messieurs, il faut, faut que vous sachiez que Jean-Claude Pomerlo, c'est un tennisman. Et euh, <laughs> il joue au tennis pendant une heure et demie de temps, pas le droit de s'asseoir, seulement de, le droit de prendre quelques gorgées d'eau à, à chaque demi-heure, et il fait ça pendant une heure et demie, n'est-ce pas? Ben oui, mais là, c'est ça qui me garde jeune, en fait. Hein? Ça fait des années que je fais ça, puis. Euh... C'est un cadeau d'avoir un partenaire régulier. Tu sais. bon. Alors, bon, on, on se tire la pipe tu sais, en, en se pratiquant, mais on, on a du fun ensemble. Ben non, ouais. mais c'est important aussi bien. Puis ça, 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 ça fait respirer, les, les, les... ça donne de l'oxygène au cerveau. Puis euh, dans ton cas, ça paraît parce que tu as un cerveau assez bien oxygéné. Donc, on profite de toi, Jean-Claude. Euh, on est très heureux de profiter de ta. De, tes, de ton analyse. Et euh, bien sûr, ce soir, ben, c'est une émission que je n'aurais pas aimé, j'aurais aimé ne pas faire. Euh, mais les circonstances obligent. Et euh, je, je pense que tu jouais à, à moi et tous les auditeurs, toute l'équipe de Radio-Écosité, on dit l'a dit la semaine dernière, mais on tient à souhaiter nos plus sincères condoléances à toute la famille de Frédéric Bastien, ses enfants, sa conjointe, ses parents, ses amis, et donc. Mais revenons quand même à l'œuvre colossale euh, de Frédéric Bastien. Euh, par où tu veux commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stocks. Parce que dernièrement, il s'attaquait aux tribunaux. Euh, il attaquait nos adversaires devant les tribunaux, euh, que ce soit plusieurs adversaires, et, mais il a fait aussi son livre La bataille de l'Aude. Et tantôt, tu m'as montré un livre. Au niveau des relations France-Québec. Euh, donc, il y a du go stop. Là. relations particulières. On voit la photo du général de Gaulle. Euh, Explique-nous depuis comment tu vois comment tu voyais, Frédéric Bastien, parce que je sais que tu m'en avais parlé euh, à quelques reprises et tu m'avais tu me disais que lui, il avait compris. Mais oui, ce qui est con, y a, la différence entre Frédéric Bastien et euh, le mouvement souverainiste, et il y a euh, le mouvement souverainiste à Taupe, euh, garder une distance par rapport à lui. Euh, on sait que Jean-François Lisée ne voulait pas l'avoir comme candidat, et puis euh, euh, Philippe, euh, Plamondon, euh, Plamondon euh, non plus, il ne voulait pas l'avoir comme candidat. Et puis euh, il y a des raisons à ça, parce que entre euh, le Parti québécois euh, et Frédéric Bastien, la différence, c'était la stratégie. La différence, le Parti québécois, c'est un parti qui euh, toute sa stratégie repose sur l'espoir de convaincre des gens pour que éventuellement on arrive à un moment de Référendaire, et que là, on ait un bout de papier de plus, et puis là, on a un pays. Okay? Alors donc, ça, cette ce, ce, ce stratégie-là, elle a été suggérée par des grands mandarins fédéraux à Claude Morin, et, et dans son livre Claude Morin, mes premiers ministres, il explique la circonstance. Et donc, c'était des gens envoyés par Pierre-Éliott Trudeau. Et donc, pour les, leur indiquer une, di, une direction, la voie qui mènerait au pays. Alors, eux, à Ottawa, il a, a, a jamais été question, jamais, de reconnaître une victoire du oui. Donc, ils engageaient toutes les forces, toutes les énergies dans une voie qui pouvait juste mener à un cul-de-sac. Et quand j'entends les gens dire « oui, mais en 95, il manquait 26 000 voix, etc. », non. En 95, Ottawa avait fait le plan de la partition du Québec en cas de victoire de oui, puis c'est Stéphane Dion qui le, qui le dit lui-même. Alors donc, pas de meilleure preuve que l'aveu. Et il y avait un plan, ça c'est aussi, c'est tout connu du public, là, c'est tout des, des informations publiques, le plan chrétien, c'était de faire un autre référendum que le fédéral cadrerait au Québec avec une question qu'on imagine et que là, si jamais le oui l'emportait, il, pre... il faisait un autre référendum au Canada pour savoir s'il acceptait celui-là. Donc, tu étais dans, dans un parcours impossible. Pendant ce temps-là, il activait la partition du Québec avec les Cris et les Inuits, deux tiers du, du, du Québec. Ce territoire-là, il a été acquis en 1898 et en 1912. Et il y avait une clause dans ça pour que le Québec euh, euh, prenne une responsabilité par rapport aux Autochtones. Et puis là, c'est exactement ça qui aurait été invoqué. Bon, bref, on n'est pas avec le Parti québécois dans la réalité des affaires d'État. C'est quoi un pays euh, que, euh, qui naît, euh, qui apparaît sur la carte? C'est une grosse game géopolitique et donc il n'était pas là. Mais pour revenir à Frédéric Bastien, Frédéric Bastien était dans un autre cadre stratégique. Son cadre stratégique, à lui, c'était que la Constitution de 82 et tous les instruments de la Constitution de 82, euh, c'est euh, un, un, une matrice pour nier notre existence et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on on poserait euh, on, un acte, un acte du gouvernement du Québec concernant soit la langue... Bonjour, euh, Luc. Okay? Soit la langue, soit les valeurs, peu importe quoi, que les tribunaux qui sont liés à l'appareil fédéral seraient là pour dé 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 découper ça en morceaux. On l'a vu avec la loi 101, et là, il les, les, les lois 96 et la loi 21 sur la laïcité, sur la langue, etc. Ça, c'est contesté. Et là, tu t'en vas face à un tribunal. Et puis, ce tribunal-là, c'est un tribunal qui est complètement biaisé. C'est l'appareil judiciaire du Canada pour nier notre existence. C'est pas compliqué. On pas... Eux, ils ne veulent pas reconnaître notre statut euh, politique de nation. Très important. Et ils veulent nous réduire à l'échelle d'un groupe ethnique parmi tant d'autres. Au Canada. Voilà, c'est ça l'objectif. Et, euh, et Frédéric Bastien était dans cette logique-là. Et donc, pour lui, ce qui est important, c'était de s'attaquer pas à l'intérieur du régime, mais au régime lui-même, puis entre autres, l'appareil judiciaire et au multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est la doctrine d'État du Canada. Alors donc, la bataille de Londres, ça commence là. La bataille de Londres, il réussit à démontrer que la cause suprême couche avec le politique. Alors, donc, pour, juste pour rappeler aux gens là, que l'État de droit se fonde quand les, 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 les pouvoirs sont divisés et, 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 et qu'il a pas de, il y a un mur de chêne. Tu comprends Il y a un mur de chaîne la, 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 Le judiciaire la, ne parle pas aux politique par rapport à une cause. Okay? Là, cette cause-là, ce n'était pas n'importe quelle, c'est que le, le, la, la situation le, de, de, pour rapatrier la Constitution était bloquée, était bloquée par le Québec. Et là, la décision de la Cour suprême a eu pour effet de donner le pouvoir à neuf provinces anglaises d'imposer une Constitution au Québec. Et que la, cette Constitution-là nie le statut politique. De la nation québécoise qui a 400 ans d'histoire, puis qui cherche à, 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 à poursuivre, tu comprends? son existence dans, pour la suite de l'histoire. C'est ça qui se passe. Alors donc là, il attaquait avec la bataille de Londres, euh, c est, c est, puis là, il fait cette démonstration-là, puis en même temps, en, en établissant un lien, parce que là, il faut une certaine crédibilité pour avoir accès à des entrevues avec des ex-ambassadeurs, des, des hauts fonctionnaires, etc. Comprends? Et puis, lui, il avait une formation euh, en Europe, euh, il parlait euh, au moins trois langues. Et puis euh, donc, il, il a été chercher des informations, savoir à quelles conditions euh, l'Angleterre reconnaîtrait le nouveau statut du Québec en cas de victoire du oui dans un référendum. C'est important. Ce que personne n'a fait. Comprends? Alors, donc, ça, c'est la bataille de Londres. Mais. C'était quoi, oui. quoi les conditions? De... Les deux conditions, c'est que le, le nouveau statut oh là... n'est pas contesté par Ottawa et qu'on exerce l'ensemble de nos pouvoirs sur l'ensemble de notre territoire. Ça, c'est le contrôle effectif du territoire à partir du nouveau statut. Ça, c'était les deux con conditions et ça apparaît dans son livre. Et donc, le, ça, c'est important. Là. Parce que le, le, à ce moment-là, tu sais où, où travailler. Il tu travailles avec Sur, sur ton les... contrôle effectif. Qu'on travaille sur ton contrôle effectif. Exactement ça, ouais, exactement, exactement ça. Exactement ouais. ça. Exact, exact. Et là, comment tu, pre... comment tu prends le contrôle effectif sur les Autochtones qui, à l'époque, étaient complètement dans le camp de Trudeau? Là. Tu sais? Mm -hmm. Ça, c'est un problème. Et puis. Euh, la, 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 le statut aurait été contesté, je l'expliquais tantôt au début, là, Luc, euh, que euh, Ottawa n'aurait jamais accepté la victoire du oui. Bon, lui, il, il est dans cette réalité-là, pas comme le PQ qui sont dans les illusions puis qui brassent de l'air, en puis, 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 puis qui sont dans l'impuissance politique, puis euh, qui nous entraînent, ils prennent toute l'énergie du, du mouvement nationaliste pour l'emmener dans un cul-de-sac. Bon, c'est ça l'affaire. Lui, il n'était pas là. Et donc, c'est pour ça que ce que je disais au début, le PQ euh, le tenait à distance. Il l'aimait bien, mais à chaque fois qu'il parlait, il avait peur qu'il dise un mot de trop qui ne serait pas accepté par la narration de Radio-Canada. C'est ça l'affaire. Mais, mais est-ce que sa campagne, on, on sait qu'après qu'il a fait la course à la chefferie, et, il s'est placé, il classé quatrième, ce qui n'était pas tellement brillant, mais... Il a continué à travailler. Moi, je l'avais vu à Sherbrooke, il faisait toutes les assemblées locales imaginables. Est-ce que, d'après toi, il y avait un progressé dans, dans, son, dans sa, sa, sa stratégie là, de, 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 redevenir éventuellement, de devenir éventuellement chef du Parti québécois? Concernant ses ambitions politiques par rapport au Parti québécois, il est demeuré d'une loyauté exemplaire compte tenu de, du sort qu'on lui faisait. Et par rapport à ce que lui, il pouvait contribuer à la cause. T'sais, à un moment donné, Mario Dumont, il a dit il en fait plus que tout le PQ, lui. Parce qu'il s'attaquait à des juges pour démontrer, on l'a vu avec la Cour suprême, je l'ai expliqué, mais d'autres juges qui entendaient des causes concernant la, la laïcité, concernant le français, et que ces juges-là participaient au financement d'un organisme. Que cet organisme-là était parti au procès et que le, ces juges-là entendaient le procès. Ça, ça s'appelle comment le tiers-monde juridique. Quand, exact. Euh, nos, quand nos droits, nous, sont en question, ce, 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 cet appareil judiciaire-là, canadien, c'est le tiers-monde juridique. Et lui, c'est en. C'est à cette démonstration-là qu'ils faisaient. Et pourquoi? Pour décrédibiliser complètement cet appareil-là, parce que tôt ou tard, dans le match, eux autres, ils seraient venus euh, pour démanteler des lois ou peu importe. Et que là, euh, petit à petit, le monde se faisait l'idée à partir de la documentation qu'ils faisaient. C'est un recherchiste exceptionnel, exceptionnel. Parce que les autres ne le font pas. Tout ce qu'ils font, c'est du blabla. Bla 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 bla. Tu comprends? Mais le travail de moine, ils ne le font pas. Et s'attaquer au régime, ils ne le font pas. Eux autres, ils, ils, ils pédalent à l'intérieur du, du régime comme un petit hamster là, dans la cage. Ouais? Ils n'auront jamais à des des l'intérieur des idées reçues. Oui, oui, c'est ça. Mais ce cadre-là, parce que pour eux autres, là, le Canada n'est pas un ennemi. Hein? Ce n'est pas un ennemi. C est, c est, c est... René Lévesque le disait, c'est pas le goulag. Mais non, ils veulent non, juste à peine. Ils veulent juste à c'est bon, le, le merveilleux monde des colonies et qui bon, qu le qu fait bon vivre aux, aux colonies. Ben oui, c'est ça, c'est ça, je, tu comprends? Alors donc, euh, le, le, lui, euh, il a, oui, il avait une un ambition politique parce qu'il voyait que tôt ou tard, euh, le mouvement allait se recadrer dans la réalité et lui, cette bataille-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il les amenait là. Il les amenait là, puis il était jeune puis c'est incroyable que euh, puis il était en forme, puis tout ça, parce que, bon, j'ai eu l'occasion, de, en tant que militant, être euh, euh, son chauffeur, parce que, en particulier, hein, lui, quand il se rendait à faire une conférence, il embarquait dans l'auto, puis là, c'était le silence. Pour aller, c'était du silence, il se reposait, puis il lisait ses notes, très, très professionnelles, pour arriver avec le maximum d'énergie, la tête claire, etc. Quand on revenait, Là, on pouvait débriefer l'affaire, on, on en parlait, je, moi j'observais moi, la salle, etc. Vous voyez les, 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 les réactions, qu'est-ce qui marchait, puis etc. Bon. Alors donc, tu as, as, as eu des bons moments avec lui, là. Oui, 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 oui. Parce qu'à un moment donné, on, on vient après euh, plusieurs euh, déplacements, euh, surtout, à, on était à l'extérieur dans la course à la chefferie. Euh, oui, on, on on pourrait dire même que tu as développé une certaine amitié avec. Non, on ne peut pas dire ça parce que oh. euh, Frédéric Bastien, il était dans son monde. Tu comprends? Il était dans son monde, il était concentré. C'est comme, un, comme un, un joueur professionnel là, qui s'en va jouer un match. Là, il fait sa bulle, puis il rentre. puis il, 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 Vraiment, c'est un professionnel. Là, un, on voit un, virtuo Alors, donc, un virtuose de la musique. Ou quelque ça. Chose comme Nous, ça. on a eu. Euh, moi, moi, pour les, les gens qui ne savent pas, je fais partie du comité éditorial du site vigile.québec. Et puis, euh, nous, quand on a vu euh, la course à la chefferie, on regardait, euh, on se il faut absolument que Frédéric Bastien participe au débat. On n'avait pas euh, l'impression qu'il allait gonner, ce n'était pas ça. C'était qu'il participe au débat pour que sa vision, sa stratégie, Apparaissent dans ce débat-là. Et puis, euh, Vigile, à un mois donné, euh, on, a, on a pris euh, notre liste d'envoi. on avait 12 000 courriels, et puis là, on a, on a fait la campagne euh, pour pousser euh, la candidature de Bastien, puis il a réussi à passer la barre du 10 pour participer au débat, et ça, euh, ça nous a dérangé quelques-uns. Il ne voulait pas le voir, là. Ça, c'est mmh. évident qu'ils veulent. Ils ne veulent pas voir personne. Toi, tu le sais, François, tu as de longue expérience avec le Parti québécois. Tu pourrais nous en parler. Là. Alors, quand quelqu'un arrive qui a, qui, a, qui a un centre de gravité, il a une vision claire, puis euh, une carrure, et puis euh, qui n'est qui, qui pas dans le référendum, le grand soir, puis bon, blablabla, bla, 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 euh, ça les dérange. Ça les dérange. Je Te t'sais. connaissant quand même, Jean-Claude, quand tu. Euh, puis, Luc, tu pourras rebondir là-dessus par la suite. Quand tu euh, étais avec Frédéric Bastien et que tu revenais de, tes, de ses conférences, tu pouvais lui, euh, lui. Tu pouvais jaser avec. Je suis convaincu que tu as parlé de, des référendismes. Ah oui, ben oui, on en a parlé. Parce que là, ce n'est pas quelque chose que. Lui, euh, lui me disait, parce que je lui disais, pourquoi tu n'attaques pas carrément tout ça, toute cette approche-là? Il dit, c'est parce que je n'ai pas gagné la course avec ma proposition et que si, après avoir perdu la course sur ces propositions, sur cette vision-là, je venais euh, picosser le Parti québécois là-dessus, j'aurais de l'aide d'un mauvais perdant. Mais il était complètement dans cette lecture-là. J'ai eu l'occasion okay. de parler avec. Et puis, dans, en tout cas, ceux qui me suivent un peu là, savent que euh, la stratégie pour moi, ce n'est pas ça. Et puis, bon, on, on prend le pouvoir, on bâtit l'État du Québec. Ça nous prend une concession de toute urgence, surtout dans le contexte actuel. Donc, euh, regarde, il était dans cette lecture-là. OK, parfait. OK. Il était dans ouais. cette. 100 OK, 100% sûr. Mais publiquement, il ne voulait pas euh, faire le débat là-dessus pour ouais, avoir je... de l'aide d'un mauvais parole. Ouais, non, je comprends. Euh, juste avant de, de refiler, peut-être c'est une question ou deux, Luc, pour, euh, pour Jean-Claude, mais moi, là où les référendums me font extrêmement peur, c'est avec l'expérience, avec les deux expériences du celui de 80-95, c'est que le Parti québécois. Euh, je les ai calculés naïfs, euh, très naïfs. Euh, je me souviens à l'époque, Gilles Réau proposait une carte de l'électeur, n'ont jamais adopté une carte de l'électeur. Le PQ n'a jamais voulu adopter une carte de l'électeur. Et on a vu ce que ça a donné, surtout au deuxième référendum. Mais là où je, 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 je tic beaucoup, c'est que tu peux pas faire un référendum. <laughs> et vouloir 50% plus 1, quand tu commences la campagne référendaire qui dure 30-35 jours, avec 40% d'appui, puis tu penses aller chercher 10-12% en 30 jours. Quand on pense que 10-12%, c'est 5-6-700 000 personnes, pour moi, il faut être naïf en maudit de vouloir, de penser être capable d'aller chercher euh, tu c'est de vivre dans, un peu dans le déni, de dire, regarde, on va faire le référendum, puis on va tellement faire une belle campagne qu'on va monter, monter, on ne pourra pas baisser. Mais je m'excuse, mais une campagne électorale, tu ne contrôles pas tout ce qui se passe dans une campagne électorale ou le référendaire. Donc, pour moi, euh, je ne tiendrai jamais de référendum tant ou si longtemps que je n'aurai pas la certitude d'avoir un 65 d'appui en partant en campagne. Que si là, tu t'en perds un peu, mais là, tu perds à, tu descends à 60, tu es sûr de gagner. Bien, quand tu pars à 38-40. ce n'était pas le cas en 95. En 95, il y avait eu des, des résultats décevants aux élections provinciales juste avant, un an avant. Euh, une des raisons, c'est que Parisot était tellement confiant d'avoir une belle victoire qu'il qu avait arrêté de faire campagne, je ne sais pas si c'est deux, deux trois semaines à, avant la fin. Alors, ça lui a coûté à peu près euh, peut-être 5 de, de, dans, 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 dans les, dans les boîtes de scrutin, mais les 5 ça a fait qu'ils ont eu beaucoup moins de comptés. Il n'était pas si fort que ça. Et, et euh, Lucien Bouchard elle, elle voulait absolument pas aller d'un référendum perdant. Tu as raison, François, on ne sait pas le, le résultat d'une campagne, mais chose certaine, on, la responsabilité le, de, de, de lancer le Québec dans un référendum perdant, c'est une responsabilité énorme euh, que Lucien Bouchard ne, ne, ne voulait pas prendre. Ouais, ça, puis juste, juste, juste dire, hein, puis vous continuerez là-dessus, euh, 1995-2023, ça fait pas loin de 27 ans, euh, puis le mouvement souverainiste ne s'est pas encore remis de cette défaite. Ça me dit ah que oui, si oui. on fait un autre référendum, puis on le perd, ça peut prendre 30 ans avant. Puis là, 30 ans avec le plan d'Ottawa, Oui, mais François, bon. il est où, le mouvement souverainiste? C'est un peu ça, là. là Vois-tu, hier, c'est la journée des Patriotes. Je suis allé le matin, il y avait un petit déjeuner euh, euh, des aînés souverainistes à Québec. Euh, c'est ça, il y en avait encore... L'ancien ministre Duclos, c'est-tu ben, du Clos, un libéral, en tout cas un des, des qui a été député de, du bloc, euh, en tout cas lui, il disait qu'il était remonté contre la CAC parce qu'il trouvait que la, la CAC diabolise le référendum. Mais le, le mouvement souverainiste, après ça, hier soir, il, il y avait une, euh, un rassemblement ben, en tout cas, dans, dans un bar, à rue Méran euh, pour, pour fêter de nommer les patriotes de l'année. C'était pas sur les patriotes, mais je vous ai la gang, c'est un petit milieu fermé. Je veux dire, moi, je ne vais même pas rester. Je veux dire, je les connais trop. C'est sectaire. C'est très sectaire. Je ne sais pas si c'est ça l'ennemi. C'est un peu ce que Jean-Claude disait. Le PQ n'en veut pas de personnes comme Frédéric Bastien. Mais François, qui... c'est tantôt justement, mais quand tu dis le mouvement souverainiste se porte mal, le mouvement souverainiste, si c'est les, 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 les gens du Bloc et du PQ actuellement, c'est... Ou la, 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 la petite gang de, de, de sectaires, parce que c'est sûr qu'aussitôt que tu, tu sors un peu du, de leur narratif, tu te fais insulter. De, de, j'ai vu ça dans, dans nos auditeurs, là, je pense que c'est la dernière fois, la semaine dernière, j'ai l'impression ils, ils traitaient Lucien Bouchard de traite. Euh, tu sais, je veux dire, faut. faut, faut... Euh... Si regarde, sur Lucien Bouchard, je vais vous faire quelque chose. D'abord, la, 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 la CAC est née de. La Compréhension qu'avait Lucien Bouchard que le référendum était un cul-de-sac et que c'est encore plus dangereux de le gagner que de le perdre. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que immédiatement après le référendum, quand Parisot est parti, lui, après la direction, il s'est fait dire par Ottawa Tu fais un autre référendum, gars, voici le jeu. C'est la partition du Québec. Et Lucien Bouchard, parce que j'ai fait un texte terrible contre lui, euh, Lucien Bouchard, il a compris ça. Et euh, en début 2011, Lucien Bouchard, il était avec François Legault au 357C de la Commune à Montréal pour parler de la fondation d'un parti qui ne serait pas référendiste, mais qui serait nationaliste. Alors, ça, c'était pour sortir la nation du piège référendaire. Effectivement, ça a marché parce que la nation a utilisé le véhicule de la CAC finalement pour se débarrasser des deux partis référendistes, le Parti libéral et le PQ. Maintenant, la stratégie était la bonne, sauf que... Au niveau euh, de la direction de la CAQ, c'est infiltré par les réseaux libéraux et on le voit avec la nomination de Sabia à Hydro-Québec aujourd'hui. C'est un désastre, okay? Et, et, et sont pas, ils n'ont pas la okay, pour euh, prendre le, le Québec et euh, en faire un véritable état sans demander la permission à personne. Ils ont tout l'espace pour le faire. Ils ont l'appui de cette nation-là, c'est les régions, c'est la nation historique, et donc ils l'ont, ils ont toutes les cartes, ok. Ce qui manque, c'est l'envergure. Ils ne l'ont pas, ils n'ont pas cette carrure là ils n'ont pas cette vision-là, et puis donc ils font du, du bleu pas aux yeux. Et puis euh, qu'est-ce qu'ils vont faire face à, à l'initiative du siècle où on annonce qu'on va nous dissoudre complètement dans le Grand Canada, qu'on va devenir un groupe ethnique? Bon, euh, c'est l'impuissance, c'est ça qui affiche. Il affiche l'impuissance. Tu sais? bon, on pouvait parler plus de la CAQ euh, demain, euh, Jean-Claude. Si, si on, demain on fait une émission, là, on, on, peut, on devait parler demain oh, oui. là, okay, du, du, okay. con, du congrès de la CAC, on, on pourrait analyser ça un peu plus en profondeur, les, les tendances. Euh, c'est Ce que j'ai vu sur le terrain, en tout cas, au, au Congrès. Là. Mais ouais, ouais. Sûr pour dire. Mais pour revenir à Frédéric Bastien. Euh, tu le mets où, Jean-Claude, au niveau de la, au niveau des, euh, des stratèges euh, comparativement au blocs et au PQ? Euh, est-ce que tu le mets dans une, vraiment dans une classe à part là, pour, euh, pour et, et si oui, euh, est-ce que cette classe à part là, veut dire en quelque sorte que les stratèges bloquistes et PQ, ben, on va repasser si je comprends bien l'analyse euh, euh, que bon, tu ben, fais. Que... Pour... OK. Euh, euh, Frédéric, lui, il était dans la réalité de ce match-là. Il avait identifié la ligne de front immédiatement. Immédiatement, opérationnel, immédiatement. C'est ce qu'il faisait. Et il y avait euh, des, des différents postes de tir dans des directions. Et c'était systématique ça, la démolition de la crédibilité de l'appareil judiciaire canadien. Très, très, très important. Et il avait fondé Justice pour le Québec. Et là, euh, moi, je lui disais, gars, tu as des ambitions politiques, mais moi, personnellement, là, où est-ce que je te verrais? Je te verrais à la direction de l'IRE, l'Institut de recherche sur l'autodétermination, les, les indépendances, parce que là-bas, qu'est-ce que tu as? C'est des juristes qui ne font pas de politique. Ils font du droit et ce sont des idéalistes qui euh, euh, pensent, pensaient que c'était une bonne idée d'aller se coller sur la cause des Catalans. Alors que dans le cas où le, le, le Québec veut devenir indépendant, ben qu il va falloir qu'il y ait la reconnaissance internationale. Et là, tu t'en vas te pointer comme quelqu'un qui veut, en Europe, faire éclater les pays européens. C'est ça le message. OK? Alors donc, bonne chance. c'est complètement ridicule, tu Ça, c'est vouloir être souverain par procuration au travers de la cause d'un autre. OK? C'est pas nos intérêts. C'est pas nos On peut être sympathique, mais c'est pas nos intérêts. Et donc, euh, l'IRE a des moyens. C'est énorme de, comme potentiel. Et puis, euh, euh, moi, ce que je disais à, à Frédéric, c'est là que tu devrais être. C'est là que tu devrais être parce que quand... Tu, quand tu rentres, supposons qu'il avait été élu euh, député, là, tu sais, il serait sur la ligne de parti. Penses-tu qu'il a ramené toutes ces batailles-là? Tu mmh. comprends? Il non, était non. beaucoup plus utile comme franc-tireur que comme backbencher. On s'entend ouais. là-dessus? Oui, c'est ça. Alors donc, moi, je disais, regarde, c'est l'iré, c'est Pierre-Carles. Tu sais? Pierre-Carles, s'il décide, c'est toi, puis il vient de comprendre toute la, ta, ta stratégie. Regarde, le les moyens vont être là, puis bang, bang, ben, par bang, contre, Je vous dis que Pierre-Carl l'a quand même engagé au Journal de Montréal pour qu'il oui, oui. faire une ben chronique oui. deux trois fois oui. par semaine. Et si tu veux faire passer de quoi, quelque chose, un message dans le peuple québécois, ça passe par là. Ben oui, c'est le journal du peuple. Ben oui, c'était ben oui, François, je suis à 100 d'accord. Ça, ça, ça c'est un élément qui démontre que... Qui était bien plus utile à l'extérieur d'un appareil d'un parti qu'à l'intérieur. Mais lui, il avait une ambition politique sur le long terme. C'est ça. C'est ça, c'est là que ça accrochait. C'est là que ça accrochait. Moi, je disais tout le temps non, non, non. Il veut dire. Regarde, tu vas aller t'éteindre dans un parti. Là, à moins d'être le chef. À moins d'être le chef. T'sais. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'à un moment donné, il y avait un gars qui était animateur de radio, il s'appelait Jean Lapierre. Jean Lapierre qui était quand même, il faut le dire, un bon communicateur. Puis qu'il était capable d'être drôle parfois, puis il, il avait un, un bon sens de la communication. Quand il a décidé de se représenter pour le Parti libéral du Canada, sous Paul Martin, il a quitté 98.5, puis là je me suis dit, je suis bien content, on ne l'entendra plus, puis il, il va avoir bien moins d'influence dans la population parce qu'il ne parlera plus à tous les jours à la radio. Et là, il s'est présenté, il a gagné, Paul Martin l'a nommé ministre, je sais pas, des Transports, puis tu ne le voyais plus. c'était un peu cette dynamique-là que Frédéric Bastier, s'il avait été backbencher ou critique en matière de constitution ou je ne sais pas trop quoi, il aurait peut-être posé une question ou deux par mois à l'Assemblée nationale. Mais là, il était dans le journal de Montréal deux, trois fois par semaine. Fait que le message était peut-être plus facile à, à vulgariser dans le journal de Montréal ou à la radio, ou peu importe. Mais sauf que son travail au niveau des contestations judiciaires, il n'y a pas d'autres personnes qui faisaient ça à part de lui. Puis je ne suis pas sûr qu'il va en avoir d'autres. Il y, a des, euh, il y avait une petite équipe maintenant qui s'était formée euh, autour euh, de l'organisme Justice Québec. Oui, oui, Pierre Cloutier, c'est un combattant comme euh, Frédéric Bastien, mais des années avant. Puis Pierre Cloutier aussi, il était écarté du Parti québécois, ben, il y avait peur de lui. Pierre Cloutier, entre autres dossiers, il avait fait venir euh, via la loi l'accès à l'information. La, le dossier de surveillance policière de qui De René Lévesque. Et là, il y avait 2500 pages. Et quand il a obtenu ce dossier-là, il y avait plein de pages noires, caviardées, on le comprend. Et là, il voulait poursuivre les démarches, s'en aller jusqu'à la cause suprême pour faire apparaître que ce qui était euh, masqué, tu comprends, caviardé. Et là, le Parti québécois, c'est la même affaire qu'avec Bastien. On ne veut pas brosser ça. Écoute, tu as la Stasi canadienne, okay? ça, c'est la police politique qui surveille euh, un politicien qui n'est pas soupçonné de commettre des crimes, là, okay? depuis des décennies. Mm -hmm. Depuis des décennies. Pas probablement, quand on disait ça, je l'ai lu le dossier, on comprenait pourquoi il n'a pas apparu plus longtemps à Point de Mire, parce que Point de Mire, c'était la grande émission d'intérêt pour les gens. Et là, il s'en venait parler de politique intérieure éventuellement. Et là, on ne voulait pas le voir, là, René Lévesque. Donc, il a sauté. Et donc, c'est juste pour te dire, là, moi, j'avais écrit un texte, la Stasie canadienne, Le silence des agneaux. C'est. La science des agneaux, le Parti québécois. Ouais. Sur tous des enjeux là, existentiels, graves, où, où ce que tes là? Ils, ils montrent leur vrai visage à Ottawa, on ne veut pas montrer ça au monde parce que ça va faire peur. On si ne on... on... parce... veut pas faire de vagues. C'est Ça qu Autrement dit, on ne veut pas faire de vagues parce qu'on quand même, on a un référendum à gagner. C'est ça. Faut pour... ça. Donc, c'est tout temps le temps... C'est ça. C'est tout le temps la logique référendaire qui fait que tu as un parti éteignoir, OK? Au lieu d'un parti combatif. Et le, 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 on parlait tantôt de euh, quand euh, tu es, es dans une perspective référendaire et puis tu as le Québec qui est une province. OK? Donc, le Québec est une province et tu n'en as pas fait un État. On n'a pas fait un État. Pour en faire un État, ça prend une constitution de l'État du Québec. Rien ne l'interdit. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait pour une raison simple. Ça nuit à l'argumentaire pour une campagne référendaire. Ouais. Mm -hmm. C'est ça. Alors, donc, alors que dans la constitution euh, de, de, de l'État du Québec, le monde prendra accord. Ils, ils prennent aucun risque puis ils bâtissent la cabane. Ouais. Ils bâtissent la cabane. C'est tout cest ta cabane, le référendum, c'est un sondage pour aller demander la permission à Ottawa de fendre le Canada en deux. Bonne chance. Ouais, c'est ce que Mait euh, ma Jolicoeur a mentionné dans sa conférence, le jugement de, 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 euh, de la Cour suprême, là, qui disait que finalement, là, euh, euh, le, le Québec n'a pas de droit constitutionnel euh, euh, à, à faire sécession. Mais finalement, ce qui est déterminant, c'est la reconnaissance internationale. Ah oui, c'est l'effectivité de, de, ouais. de la décision. Et ça, c'est ton rapport de force. C'est ton rapport de force qui fait que tu peux changer un statut et rien d'autre. Les autres, c'est euh, un, un surplus de vertu qui fait le rapport de force. Plus tu es progressiste, plus tu as un rapport de force. Plus tu es ouvert au KISP, plus tu votes des lois 91 contre la liberté sur Internet, plus tu t'en vas vers le grand soir. Je voulais juste mentionner, François, je me suis permis d'inviter Mathieu. Oui, oui, non, 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 ça fait bien, mais juste informer les auditeurs que Jean-Claude va nous quitter. Mais on a un programme double, mesdames et messieurs, on va faire un peu de comparaison comparaison avec le baseball. Avec Jean-Claude Pomerlo, on a un programme double. Donc, on l'a ce soir et on va l'avoir demain soir. Donc, euh, ceux qui, qui, qui sont à l'écoute, ceux qui sont à l'écoute, qui ont, qui ont aimé entendre Jean-Claude, dites-vous qu'il va être là aussi demain soir. Et là, on va commenter d'autres actualités politiques. Euh, et puis, on pourra toujours quand même faire référence à Frédéric Bastien parce que Frédéric Bastien, c'est un incontournable. Donc, euh, sachez là, que demain soir, Jean-Claude Pomerlo va être avec nous. Et on va, il va commenter de l'actualité politique. Euh, Jean-Claude, euh, si, si tu permets, je te libère pour ce soir, c'est correct? Oui, oui, je voudrais juste dire, euh, d'ici demain soir, là, si les gens, ça les intéresse, peuvent aller lire le texte, le défi euh, existentiel sur vigile.québec. Le défi existentiel, c'est dans le choix éditorial. C'est toi qui as écrit euh, ça, là. Oui, oui, c'est ça. Ça te donne une idée dans le contexte de la fête, la journée nationale des patriotes. Donc, mesdames et messieurs, pour vous préparer pour demain soir, allez sur Vigile, un des sites les plus, je dirais, les plus... où il y a le plus de contenu actuellement au Québec pour le nationalisme québécois. Donc, le défi existentiel signé par Jean-Claude Pommel.